Et nous sommes repartis pour XCOM 2. Avant qu'on commence, je voulais le faire avant, mais j'ai complètement oublié de le faire. On repart sur UFO Défense. Désolé, j'aime pas vraiment la musique de Enemy Unknown. Vraiment, c'est comme j'avais dit dans un épisode précédent. Je sais pas, mais la musique ne m'a vraiment pas du tout marqué en fait de XCOM 1. Pas comme le 2 en tout cas. Alors avant qu'on commence, on a des choses à construire. Fabrication d'objets. Alors on a le Mark 3. À faire. Alors j'ai remarqué un truc, tout à l'heure je regardais en fait ce qu'on avait. Les medikits, on en a que 2. Non, 3 pardon. Il faut des cadavres de vipères pour les créer. Et ça va nous poser problème. Donc on a vraiment pas intérêt de les perdre comme ça. Parce qu'on en a déjà perdu un en combat. La dernière fois. Donc voilà, c'est juste un truc que je viens de penser. Alors on a le canon à rayon. Ça c'est pour le Spark. On va faire le canon à rayon. On peut pas faire le Spark maintenant. On n'a plus assez d'argent. On va voir si on peut pas récupérer un peu d'argent, non? Je ne sais plus si on avait acheté l'argent. Marché noir. Ah tiens! C'est vrai qu'on a fait un nouveau mois, donc on vient de le faire là, genre il n'y a pas très longtemps. Le marché est ouvert. Ah, très bien. On prend. Cross supérieur, on prend. Autochargeur supérieur. Voilà, 159, on a ultra agilité, ultra vitesse. On va prendre des ressources déjà. Ultra vitesse, c'est la mobilité, ultra agilité, c'est l'esquive. Non, c'est l'inverse, je crois. C'est 40, on a combien? On a 119, on verra ça après. Qu'espérez-vous faire avec ces machines sommaires, commandant? Les anciens sont au courant de vos tentatives pour comprendre leur vision. Cela ne m'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Ouais, c'est pour les Sparks. Ah, c'est bon. Allez, on va faire une attaque. Parce qu'on a l'équipe. On va faire une attaque un peu. Hop. Attaque de l'insta. Alors ça, je l'avais expliqué, on peut prendre genre un faucheur et y aller. Donc déjà on se fait pas voir et tout ça. On pose la bombe. On balance. Après on peut demander en fait un repli un peu de n'importe où. On a une grenade et on peut demander genre ça émet un signal et le vaisseau vient nous récupérer en fait. Et on peut le faire avec un seul personne, donc on envoie un faucheur, on met la bombe et on s'extracte et c'est fini. Hop. On peut faire ça, nous on va pas le faire évidemment, on va tuer les gens, mais on peut faire ça. On a du spectre, vipère c'est cool, sectopode, lancier d'hélice soleil, purificateur c'est les lance-flammes, c'est même lourd, on a un sectopode. Nous mettons le cap sur le secteur australien. Donc écran bleu ou alors des trucs comme ça. Un sectopode. C'est parti! Yeah, musique rock! Yes! Ta-ta-da-ta-ta-ta-da. Pam-pam-pam-pam. On met écran bleu sur elle. Comme ça, elle va. On est sûr qu'elle les défonce, les robots. On va voir ce qu'on a en tout. La balle tuée. On va prendre Freeman. C'est où les grenadiers qu'on a? Ah, Riddick il est en soi encore. On va prendre le Spark du coup. Alors. Canon à énergie. Ah ouais, ça c'est le. Celui-là du DLC. Alors donc il y a quoi dessus?
Canon énergie, il y a quoi, il y a crosse supérieure et chargeur amélioré 3. Là, on a quoi, nous? Là, on a du bleu et du rouge. Est-ce qu'on peut augmenter... Attendez. Est-ce qu'on peut augmenter ceux-là? C'est ça que je veux savoir. Ah, on peut pas. Par contre, quand il y en a... Vu qu'on est au niveau 3, canon à rayon, par exemple. Amélioration d'armes. On peut en mettre un troisième. Ah, ça fait chier, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on aurait pu garder le skin, en fait, de celui-là. Parce qu'ils sont vraiment cool. Et mettre des améliorations. Bon, enfin. Ah, oh non, j'ai rien dit. On peut en mettre que deux. Ah bah du coup la crosse et le chargeur amélioré 3. Est-ce qu'on veut autre chose dessus? Non. Non, c'est bon. Il faudra faire le lance-grenade 3. Pam 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 pam. Armure lourde expérimentale 6. C'est les armures du premier, ça, XCOM, elles ressemblent un peu, elles sont améliorées et tout, c'est sympa. Bon bah du coup je prends ça. On a le Mark 3, très bien. Ça on en a pas besoin. On va prendre le Fulton par contre. Parce que je veux récupérer les vipères en fait. Parce que là on va faire péter le truc, on va s'extraire. Donc en théorie on va pas y aller. On va pas récupérer les objets. Toi faut vraiment... Attends. Là t'as quoi? Lunette avancée, auto-chargeur. Là t'as chargeur amélioré avancé. T'as du chargeur 2 plus 3. Viseur laser. Ouais non ça c'est bien. Balle de feu. On a chargeur amélioré et gâchette facile. Super, très bien. Et on peut le augmenter encore ou pas? Non, c'est que bien. Bon, ça va faire mal. Je pense. Protocole de scan. J'ai commencé à l'apprécier. Allez, on y va. On est bon. On a soin et fulton. On a ça. Protocole de machin. Ouais, on est bon. J'ai commencé à apprécier le scan. Vous savez, les boules qu'on envoie, les scanners là. Grâce au DLC, en fait, au dernier DLC, parce qu'on avait ça, on peut débloquer ça. Et c'est vrai que ça aide énormément quand il n'y a pas de faucheur, en fait. Et du coup, on pourrait y aller sans faucheur, en fait, en ayant le scanner. Parce que là, c'est vrai qu'on a toujours un faucheur, en fait, dans l'équipe. On a toujours un faucheur. Je crois qu'on a quasiment jamais fait de mission sans faucheur. Mais après, bon, le jeu, c'est pour ça qu'ils nous en donnent deux, parce qu'ils savent que ça aide vraiment. C'est ça, le truc. On nous a confirmé l'emplacement d'une base extraterrestre menant des recherches cruciales au projet Avatar, quelque part dans la région. Les coordonnées sont verrouillées pour une frappe tactique. Rejoignez la position indiquée et posez les charges de X4. Armez-les, allez vous mettre à l'abri et nous ne laisserons qu'un champ de ruines. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le fulton, comme ça on peut prendre les cadavres de vipères.
Menace 1-5, coordonnées de la cible verrouillée. Rejoignez la position indiquée et posez les charges de X4. Tentative de camouflage en cours. C'est pas loin du tout, même. J'aime bien, genre, les vieux avions et tout. Ma vie est entre vos mains. Vous n'irez plus nulle part. J'ai repéré une patrouille extraterrestre. Je sais pas si on va avoir... Un élu. Je vais où on a besoin de moi. Ouh. Eh, il va loin maintenant, Spectre. Spectre. Pas mal loin, cool. Is this a trap? Yeah, probably. Maybe. Maybe. Copy that, man. Non, on est bon. Don't move. Come out. Vous ne m'échapperez pas. Alors ça bouge. Alors là, ah c'est cool ça, on a les trucs. Là, si on avait des, si les rois aliens, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les aliens modifiés là, il y en a 3 là. S'ils étaient encore vivants, ils protégeraient à chaque fois une base. Il y en aurait toujours un sur une base. Je vous fais confiance. C'est bizarre, l'autre il a disparu. Ah, elle le voit pas en fait, d'accord. Okay. Where the hell are we going? On va se mettre là. We have an objective. C'est pas mal là. Let's go. Là, on est placé. C'est pour qu'on puisse tuer les deux groupes en même temps en fait. S'ils arrivent à se. S'ils se rapprochent les uns des autres, c'est bon. On est tranquille. Là, ils s'éloignent par contre, c'est un peu chiant. Ah là 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 là. À vos ordres, commandant. J'ai marqué la cible. On marque les gens, très bien. Ah merde, c'est... Putain, j'ai cru que c'était... Je crois que c'était le loupo qu'on avait mis. Roger that, on our way. Look out! We'll take him out! Dans un sens, le robot il peut être un bon appât. Oh non, 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 non. Oula, oula, doucement, s'arrête. Oh merde. Nous sommes à découvert. Oh les enfoirés. Waouh. Alors ça, je m'y attendais pas à celle-là. Et merde. Oh,
Gaspillez toutes vos tous vos Overwatch sur ça. Ah, il va lui tirer dessus, non? Ouais. Wouah, un critique à 9! Oh putain. Quelle merde, qu'est-ce que j'ai moi? On a lui qui est complètement... complètement exposé. Yes. Punition céleste. Ah la vache. On peut se remettre un vide. Non, on peut pas. Là, elle devrait pouvoir. Les ténèbres sont mon royaume. Pas mal ça. Yeah. Si Advent savait combien j'en ai tué. À 5 HP là, c'est quand même beaucoup. On pourrait le tuer avec ça. Attends, faudrait que tu te mettes où là. On va voir. Ok, elle peut y aller avec la course et tire. Ouh, panique! Non mais bouge pas! Oh la vache! Il fallait nous foutre dans la merde parce qu'il bougeait ce coup. Maintenant, c'est un peu risqué ce qu'on fait. 90, on va faire rupture. Putain, are you fucking serious? Oh la vache, tu te fous de ma gueule quoi. 10 à 12 avec 60%. Bannissement, ça va la faire opérer. Et elle pourra plus se... On peut tenter un œil de lynx. Ça va faire 10 à 12. 60%. Si elle fait un critique, c'est bon, on gagne. Non, c'est la merde. Et après, il y a un truc un peu plus puissant qu'on peut faire. C'est ça. Je pense qu'on va faire ça.
pour être un peu plus sûr. Voilà. Oh la vache. Voilà, là c'est plus sûr. Ah non, y allait lui. Oh, le casse-couille. Casse-couille qui arrête pas de parler. Et je suis votre châtiment. Il n'a pas le Templier avec nous. 65 HP, putain. Les élus ne vont pas nous faciliter la tâche. Continuez d'avancer discrètement. Nous devons atteindre leur forteresse et les éliminer. Right. Elle était où cette conne de vipère? Elle était là. Cette unité recharge. Let's proceed. Reloading. Je ne pense pas que vous ayez le talent pour vous servir de cette arme. Pourtant, on en tue des gens avec. Je change de position. On va se mettre en overwatch. Ça, il va sûrement nous invoquer des zombies et tout ça là. Genre tous les deux tours, il va nous faire ça. Il ne sert à rien de vous cacher. Leur patrouille approche. Ah, oh, j'avais oublié ça. Sa gueule. Oh, merde, 4. Oh putain. Je sais où vous vous cachez. Ah ça, ils ont pas beaucoup de vie. C'est plutôt facile, moi. Protecteur. Mon pouvoir ne peut être contraint à ces êtres primitifs. Ah, il est cool ce canon. Avec autant de protecteurs, ça aide. Gordon, est-ce qu'on peut... Merci. Protocole de détraquage. Oh, regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut ne pas bouger d'ici. Bon, par contre, la précision, elle est, c'est pas ça, hein, mais on peut faire ça. Ouais. Hey, ça servait à rien de faire ça. On les a activés pour rien en fait. On les a activés un peu pour rien. Je bouge. Sept à neuf. Avec 60% de critique. Là, on teste. Ça va. Vous allez devoir répondre de tous vos crimes contre les anciens commandants. Ça, tu t'énerves, ça. Là. Je veux pas qu'on soit à portée de tir.
Mais je veux que le mec vienne sur nous et on le défonce à l'Overwatch. Père, c'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? We have to go around. Voilà. Voilà. Normalement là, avec tout ce qu'on a, on devrait le tuer à moins que j'ai un truc que j'ai pas calculé. Bah ça par exemple. Ok, c'est pas mal, c'est bien. Quelle merde. Ces serviteurs sont parfois efficaces, tout comme vous, commandant. Vous ferez un sacrifice parfait pour les anciens. Ah la vache, j'en ai marre. Le grand air. Bon. Voilà, plus d'armure. Ça y est, je crois qu'on a tué quasiment tout le monde. Lui, il est plus, il a plus d'endroit pour se mettre. Ah, la vache. Get over here. I don't get it. Ah, il ne reste plus que le sectopode, je crois. Il ne reste plus qu'un. Volk m'a demandé d'obéir. Ah, on l'a entendu. Je saurai vous retrouver de leur patrouille. Oh, il est sur le toit. La blague. Oh, il est sur le toit, ça veut dire qu'on va faire, on va le faire tomber. Je vais me placer. Ça va être drôle. Zombie, je crois. Non, pas zombie. Ok, on va rire. Putain, faut qu'on la mette à un endroit qu'elle puisse la, bien la voir. Enfin, qu'elle ait vue dessus. Normalement, là, il y a pas mal de gens qui vont tomber. Le sectopode, il fait 4K. Normalement, il devrait tomber. Elle voit pas la mine. Quel foutage de gueule. Je me déplace. Non, on bouge pas. Je monte la garde. Là, on va avoir des zombies, je crois. Les anciens. On t'entend toujours pas. Désolé. Vous savez pourquoi il bouge pas? Putain, elle peut pas la voir la mine.
C'est pourquoi il bouge pas, parce que le sectopode il est pas censé être sur un toit. Le sectopode est apparu en fait, par erreur, je pense. Du coup on peut faire ça. Non ? Yes. Tu vois un peu ? Boum. C'est pour ça que le pod en fait, le pod, donc le groupe d'ennemis hein, je parle, ne bouge pas parce que le sectopode n'est pas censé être sur un toit. Ah, vous voyez qu'il a du mal à tomber et tout ça. Là il y a eu deux morts. Par contre ils viennent sur nous maintenant. Ils risquent de nous tirer dessus quand ils vont venir par contre. Quelqu'un a une balise? Non, personne a une balise. Oh, hold on. Let me reload. Action épuisée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On campe là? Personne bouge? On est trop loin. Ouais, on pourrait. N'essayez pas de vous cacher. Toi, on a repéré l'autre. Menace 1-5, vous approchez de la position. Oh, attends. 3 HP, ah, c'est bon. À 8. Je sais pas si ça va le tuer, mais ouais, on va se prendre des dégâts. Mais bon, normalement, personne devrait mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache. Non, contourne pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de paniquer en fait. Comme je vous ai dit, il est pas censé. Oh la vache. Je vous sacrifierai en l'honneur des anciens. Yeah, 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 yeah. J'y vais. Sur nous. Attends, parce que toi tu me fais un peu peur à bouger comme je un connard. Vous What's over here? Je recharge. Vous n'avez rien de plus difficile pour moi. On va voir s'il vient ou pas. Ah, ça y est, je crois qu'il a trouvé un chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire le truc? Ah, là, il bouge un peu. T'as pas marre de dire des conneries, toi. Je vous fais confiance. Y'a pas une tour quelque part pour que Spectre tire dessus?
Il nous faudrait deux mines, comme ça j'aurais pu en scotcher une en fait au robot. J'ai la grâce d'une gazelle. Non, c'est pas là que je voulais te mettre, putain. C'est là. Je suis toujours vigilant. Come out. Nous nettoierons ce monde au nom des anciens. Oh la vache, putain, mais ce truc quoi! Oh, mais je sais pourquoi il vient pas! Y'a pas de descente! Si vous avez vu que quand il est tombé du toit en fait, il bug un peu en fait. Il est pas censé genre monter, descendre de bâtiment ou de trucs comme ça. Mais là! Il y a cette montagne en fait. Là. C'est pour ça qu'il peut pas venir vers nous. La perte de ses subordonnés est insignifiante pour moi que pour vous. Sorry, we've got orders. Maybe he's faking it. No, I think I got it. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, c'est relou. Donc, le mieux, ça serait de monter tout cela et d'attendre qu'il vienne. Le seul problème, c'est qu'il va nous attaquer, en fait, directement. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il sait qu'on est là. Le sectopode. Donc, du coup, il va nous attaquer. Tu peux pas passer autre part, toi. Je change de position. Charge. On entend le truc marcher, il est en train de bugger comme un débile. Maintenant le problème c'est pour l'attaquer, comment on fait? Moi c'est ça mon problème, c'est comment on fait pour l'attaquer. Spectre, il se met peut-être là. Genre on vient là, comme ça on a le temps qui vienne, on sera en place et on pourra lui tirer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si on se met là, on utilise un tour. Après, ça va être à son tour à lui. Et lui, il a trois actions, faut se rappeler. Donc il va arriver là, il va commencer à nous tirer dessus. J'ai pas envie de me prendre des dégâts pour rien en fait. Si je peux les éviter, les dégâts, je préfère les éviter, vous voyez ce que je veux dire? J'ai chargé ces munitions moi-même. Contrairement à vous, cette unité ne s'essouffle pas. Honnêtement, ce que je voudrais faire, en fait, le mieux, je pense, ce serait... On aurait dû mettre les balles, les munitions bleues à elle, et on fait bannissement sur le sectopode. On le défonce, le truc. Bon après, est-ce que ça va faire des dégâts? Est-ce que ça va faire beaucoup de dégâts? Je sais pas. Parce qu'il a de l'armure quand même. Ah, il est toujours là-bas? Ouais, il sait toujours pas où aller, c'est cool. C'est bien votre ordre.
Volk m'a demandé d'obéir. Oh, des zombies normalement. La proie se déplace. Qu'est-ce que... Y'a des gens en plus ? Il manque un pod ? On va faire le tour avec Elena. Apparemment, il manque un pod. La corruption se bombe. Vraiment cool. Que deux ? Ah, ils sont là les autres. L'heure de l'expiation approche. Alors, apparemment, il manque un pod. Allons voir ça. Je vois même dans le noir. On va aller là-bas après. Alors on voit 2 sur 3. Où est-ce qu'on monte ? Apparemment ils peuvent pas monter. Waouh, c'est bien. Personne qui a une AOE. Celui-là qui va exploser. La faiblesse c'est minable, ne fait qu'accentuer le besoin de ma présence. T'es un peu proche. Good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Copy that. Look alive! Nous mettrons un terme à cette résistance. Ouais, je crois qu'il passe sur la gauche, ça y est. Merde, il est tombé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on perd du temps à cause du sectopode. Hein. On perd complètement du temps à cause du sectopode. Et c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Vous périrez, mais vous rejoindrez les anciens commandants. Ah. Je me déplace. Come on.
I don't care. I don't care. Je ne vous vois jamais courir quelque part. I'm watching. Voilà. I'm always watching. En théorie, il devrait venir vers nous, sauf s'il y a encore un mur ou une connerie. Enfin, genre une descente ou une montée, en fait. Je serai bientôt là. Non, on va avoir les zombies, donc on peut pas vraiment bouger. Ouais, non, il arrive, ça y est, ça y est, ça y est. Par contre, il est à côté de voiture, on pourrait les faire péter. Ma vie est entre vos mains. Non, il y a que lui qui est à côté de voiture en fait. Soyez très prudent. Tiens, regarde ton armure. Ce que j'en fais. Ah, c'est bon, il est en train de venir. Il va être à portée, ouais, il va être sûrement à portée. C'est plutôt l'ordre du temps que la pitié des anciens. Ah, là il arrive. Non, il arrive pas. Non, 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 non. Comment il nous a pas vu? Excusez-moi, monsieur. On ne vous entend pas avec vos effets spectaculaires. C'est un problème. C'est un problème. Pour chaque ancien disparu, l'humanité le paiera de sa chair. Oh, oh! Ah bah bravo. Petit problème. Ça fait du bien de pouvoir bouger. On a un petit problème là par contre. Alors le truc, ce qui va se passer là, en théorie, c'est que si elle bouge, on se fait voir. Mais si elle bouge pas, je crois qu'elle va se faire voir directement au prochain tour. Donc je pense qu'on va devoir la faire bouger en fait.
Donc on va se mettre là. Je fais vite. Oh, c'est pas fait voir. Ok. Alors ça, je pense que c'est un bug. Parce que vu que le sectopode il fait 4 cases au lieu de 1. Bon bah tant mieux ça, c'est même pas ça. Bon, on va avancer parce que là on perd du temps et ça commence à m'énerver. Ça commence à me lasser en fait. On va aller défoncer l'autre con. Mettre la mine. Bon, il arrive. A voir si on peut. Si on peut pas faire grappin. Ouais, très bien. On peut pas faire grappin juste en dessous. Juste en dessous, mec! Là, 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 là. Ouais, ça m'avance pas des masses. Il arrive l'autre. Donc voilà, comme ça elle pourra tirer plusieurs fois. Enfin j'espère, sinon j'aurais gâché le truc. Enfin bon, c'est pas grave, il reviendra dans 3 tours. 4 tours. Est-ce qu'il arrive? Non, c'est un abruti. Ça marche. Mon dieu. Vous pensiez vous cacher encore longtemps? Vous pensiez vous cacher encore longtemps. Cette unité est relativement agile. Watch my back. Get over here. What's over here? Look alive, people. Rechargement. Les scanners de cette unité sont activés. I'm ready. Stormup. Je suis un sectopode sans cervelle. Ça a gueulé, attention. Transcender jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas la peine de fuir. Impossible. Ça serait bien que les dégâts de Lupo soient un peu plus avant. Faut qu'elle fasse 10. 10 de base. Genre, ça serait bien. 10 de base serait cool. Êtes-vous prêt à vous racheter? Non. Ah! Aussi facilement que mes frères. Personne ne comprendra jamais mieux notre don divin que moi. C'était belle toué. Il est grand temps de s'en débarrasser. Non, on a qu'à se mettre là. Des efforts physiques, comme c'est étrange.
Pas le gelé. Pfiou. Alors c'est qui s'est activé? C'est lui à gauche. Comme ça on fait péter, on baisse les HP de l'autre. Ils doivent être fiers d'être morts pour la gloire des anciens. Oh mon dieu! Qu'est-ce que t'es relou. Je recharge et j'y retourne. Get over there, move! Non, ça, t'as fait du Chris. Par contre, cette fois, si j'y vais. Si le truc ne vient pas vers nous, ça va être long. Quand même. Nous combattons pour la gloire des anciens. Ah, ça y est, il arrive. Yeah, bien joué. Champ de foudre. Quoi, champ de foudre? Ça va. Ouh, 7 de dégâts quand même. Ah ouais. Les serviteurs des anciens voir scelleront. Esprit écorché. Affronter. Un soldat est à terre. Relevez-le avant que les lunes ne trouvent. Est-ce que tu peux te soigner? Non. Overdrive. Protocole de détraquage, on a extinction. Baltoué, tu as... Ah merde. Ok. On aurait dû faire protocole de stimulus du coup. La décharge électrique qu'on peut faire. On va lui faire péter ça. Sa couverture déjà. Enfin son armure surtout, parce que vu qu'il va se téléporter. On peut faire bannissement à 6 balles. Un taux de 98%, c'est pas mal.
T'as encore quoi, 31 de vie toi? Je sais pas pourquoi, mais je sais pas trop ce qui va se passer là. Ok. Plus que 23. Bon, c'est le moment. À 22, on va faire tir double. Voilà. Votre esprit de défiance envers les anciens renforce ma détermination. On a une frappe double avec elle et elle au fusil à pompe. Mais j'ai bien envie de faire du bannissement, moi. Par contre, le robot... Non, on peut pas le soigner. On n'a pas pris la dernière fois le soin. Ouais, j'ai envie de tester le bannissement. Il est temps de rejoindre vos dieux. Waouh, commence bien. Mal visé. C'est moi que vous visiez. Vous nourrirez les serviteurs des anciens faucheurs. J'avais oublié le détail aussi. C'est vrai que j'ai bien stuffé mes gens. Oh la vache. Quand votre peuple aura été décimé, les infimes défaites que j'ai subies contre vous seront bien vite oubliées par les anciens. Ouais, parce que ça fait 15% x 6 quand même. Mais la créature ne s'attendait certainement pas à une telle résistance de notre part, commandant. Ah ouais, non, là c'est sûr. Je peux attaquer tout ce qui passe près de moi? C'était pas mal. Bien joué. Je fais vite. C'était pas mal. Oups. C'était pas vrai. C'était un spectre, je crois. Un truc spectral. Là, du coup, on va rien avoir. Ah, c'est bon. Allez, on va poser la truc. Menace 1-5, statut confirmé. Charge de X4 armée. Rejoignez le point d'extraction pour évacuation immédiate. Ah, maintenant on le met où on veut. Tactique médiocre nous oblige à battre en retraite. Voilà. Vous voyez pourquoi c'est simple qu'on peut le faire avec une seule personne. Menace 1-5, nous détectons des renforts hostiles qui approchent de votre position. Vous n'avez rien de plus difficile. J'ai besoin d'en recharger. Non, on va rire. Je serai vigilante. À quoi que peut-être qu'ils vont nous tirer dessus, non? Vu qu'on n'est pas... On n'est pas caché. Je sais pas. Ah, l'autre il va exploser. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait le con encore une fois, c'est bien. Ils ne sont toujours plus nombreux que vous.
Exécution. Camion va exploser. Menace 1-5, nous détectons des renforts hostiles qui approchent de votre position. Bon, ça va, on va partir. Putain, du coup elle peut pas bouger elle. Merde. Yeah, keep on gargling. I'm reloading. On va se mettre là. Désolé, ça prend. On prend encore un peu de temps, c'est bien, on perd encore du temps, c'est cool. On aurait dû partir quand on avait le temps. Maintenant on est bloqué là comme des cons. S'ils se mettent pas en vigilance, on pourra partir. Allez, Wolfpack, on y va. L'unité rentre à la base. Menace 1-5, statut confirmé. Charge de X4 déclenchée. La mission qui a duré au moins 20 minutes de trop, voire 30 minutes de trop, à cause d'un sectopode qui faisait n'importe quoi. J'espère que nos opérations de propagande ne sont pas financées par le budget de la recherche. Oh là là. Désolé, c'était un peu long. Le responsable d'Advent vient d'annoncer une augmentation des quotas de recrutement pour le mois en cours. Les citoyens sont invités à se rendre spontanément au centre de recrutement le plus proche. N'oubliez pas, nous comptons sur vous pour construire un avenir meilleur. On a appris du coup que... Enfin, c'est logique aussi, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé. On a appris que bannissement pouvait être complètement OP, encore plus déjà de base. Ces élus peuvent mourir, au moins grâce temporairement. Cadavre de hyper cool. Grâce au à l'exécution à 15%, quoi. Alors imaginez avec la, imaginez la le bannissement augmenté, quoi. Plus c'est un répéteur
avancé, c'est même pas un répéteur maximum. Là, on n'a pas de répéteur, merde. Imaginez avec ça, quoi. Ou c'est que si la cible meurt, ça passe sur quelqu'un d'autre. Ça serait énorme. C'est énorme. Il ouais, faudra le débloquer, ça, c'est 25 points. Personne a monté de niveau. Bon. Ça, c'est bien passé, au final. Bon, maintenant, la prochaine fois, on aura le... Le niveau de l'avatar baissé de 2 crans, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Salut, ciao, ciao. On a récupéré une vipère aussi. On a récupéré une vipère, c'est cool. Mais il nous en faut une deuxième, je crois. Ouais, il nous en faut 2. Ah non, c'est bon, on les a, les vipères. Il nous en manquait juste une. Il nous faut juste des ressources. Ça, c'est cool. Vous voyez que le ballon fuit le temps, en fait, ce mode est plutôt sympa de pouvoir extraire, en fait, les cadavres. Plutôt cool. On a le ballon fuit le temps en plus, mais on aurait pu juste la transporter, en fait, sur le dos, la vipère aussi. Mais voilà. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.